Là là là. Bonjour à tous et bienvenue, je suis MDG de Normandie et bienvenue dans l'épisode, résultat l'épisode 15 de l'Empire de MDJ. Donc je vous explique ce qui s'est passé, parce qu'il s'est passé énormément de choses et malheureusement voilà. Alors j'avais tourné l'épisode 15 et l'épisode 16 de cette série et j'ai eu un problème avec mon micro. Donc résultat, vous avez pas le son sur ces deux épisodes-là. Et de toute façon, premièrement, il ne s'est rien passé de spécial, mis à part que je me suis tapé plusieurs fois l'armée de César. En gros, le problème de cette map-là, c'est que César nous demande rien. Et donc résultat, pour monter dans son niveau d'estime, il faut lui envoyer des cadeaux pratiquement tous les 12 mois. Donc faut vérifier en haut le chronomètre et tout. Donc faut pratiquement jamais jouer à 100%. Donc ça a été très très long. Ça m'a pris, je crois, 5 heures de jeu. Donc sur la fin, j'ai dit que je coupais et puis voilà. Et puis même au bout d'un moment, j'ai complètement comment. Je me suis fait destituer parce que j'avais pas fait attention justement à la faveur de César, donc j'ai été destitué. J'ai dû recommencer la partie, c'est là que j'ai refait 5 heures de jeu, j'ai réussi. Et puis. Mais voilà, et puis sur le fait de destituer la première fois, j'ai rage quitté. J'ai carrément rage quitté. Et quand je me suis rendu compte en plus qu'en post-production, j'avais pas le son de ma voix. J'ai hurlé quoi, j'ai carrément hurlé. Donc, résultat, vous n'avez pas la fin de la mission précédente, sachant que de toute façon j'ai dû la recommencer à zéro. Et puis donc, on se retrouve pour la 7e mission. Voilà. Donc rapidement, je vais couper. Ça, c'était juste pour vous raconter en fait les deux épisodes qui n'existent pas, résultat. Et donc, je reprends donc épisode 15. Sur une nouvelle mission, la 7e. Qu'est-ce qu'il nous propose? Dangereuse, plutôt calme. C'est par où là-bas? C'est l'Arabie Saoudite, non? Alors je sais qu'il y a quelques épisodes, j'ai dit Dieu grec au lieu de Dieu romain. Mais c'est parce que on était dans les environs de la Grèce, donc dans ma tête, c'était. Voilà, c'était la Grèce. Je sais plus quel épisode, mais voilà. Donc on va prendre celle-là de toute façon. Syria and Judea Oh la vache, recently 6 000 joined de Empire, population. but I question the depth of their loyalty. Estime à 80. We require a major new trading port in the reliable border state of Prospérité Syria. à 60. La prospérité, ça me casse les rouleaux. Je pense qu'on va faire quelque chose. C'est que j'ai été voir rapidement sur internet pour bypasser l'émission, pour sauter l'émission si on n'y arrive vraiment pas. Et la prospérité, c'est ce qu'il y a de plus chiant à avoir. Je pense que quand on aura tous les autres trucs, ça veut dire qu'on aura une population à 6 000, qu'on a l'estime à 80, qu'on a la culture à 65 et qu'on a la paix à 60, on saute le niveau. La prospérité, c'est chiant, c'est très très chiant. À chaque fois, je dois démolir les maisons qui sont les moins évoluées pour que les autres maisons puissent évoluer, augmenter la prospérité. Le seul problème, c'est que résultat, on se retrouve en sous-population, donc il faut remettre de la population qui est de basse prospérité. Donc voilà, donc c'est toujours un merdier monstre et qui me prend des plombes. Donc je vais vous épargner ça parce que c'est la partie la plus chiante du jeu. Et bon, ça fait partie du jeu, hein, donc si vous voulez du challenge, allez-y. Moi, la prospérité, je laisse tomber. Donc désolé pour ceux qui trouvent que c'est triché, mais la prospérité me casse réellement les rouleaux. Donc voilà. Et pourtant, pardon, petite coupure. Je disais donc, je sais même plus ce que je disais. Bon, bah voilà. Donc désolé pour ceux qui pensent que c'est triché, mais la prospérité m'énerve réellement. Et puis ça va prendre des plombes si on en prend compte. Donc on va pas le faire. Oh, je suis en zone désertique. Oh non. Non, 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 hors de question, hors de question. Hors de question, hors de question.
T'annule. On va prendre la province dangereuse, on va faire de l'armée. Ok, niveau population, c'est encore pire. Mais au niveau des autres niveaux, tout se passe bien. Donc on va prendre celle-là. Et puis au moins, on n'est pas en zone désertique. Vitesse 10%. Je sauvegarde, je regarde le temps qu'on est. Même pas. Allez, hop, c'est parti. Donc tout ça, c'était du bonus. Hop, je prends mon téléphone, je lance le chrono. Donc voilà, donc c'était juste un résumé de ce qui allait se passer par la suite et de ce qui s'est passé. Donc la prospérité, désolé, mais je saute cet objectif. Parce que j'en ai ras le bol. J'avoue que je suis en train de rager sur le jeu. Hein. Mais bon, je continue. J'ai envie quand même de finir le jeu. Jusqu'à ça. Alors, je vous montrerai, pour ceux qui le veulent, à la fin de toute façon de cette mission-là. Donc, je vous dirai, pour ceux qui veulent pas le savoir, vous sauterez à tant de temps. Je vous mettrai ça en commentaire vidéo. Simplement. Hein. Mais je vous montrerai comment les codes. Les pseudo-codes de cheat. Comment on peut bypasser l'émission. C'est assez simple, ça coûte pas grand chose. Ah si, il y a une condition. Enfin, il me semble qu'il y a qu'une condition à avoir, c'est qu'il faut plus de 5000 en argent. Donc dans tous les cas, il faut quand même que pour utiliser le droit de cheater, il faut que vous ayez plus de 5000 en argent. Donc évidemment, on l'a pratiquement tout le temps, ça, c'est pas un souci. Alors qu'est-ce qu'on a? Du blé et des légumes. On va déjà faire toutes les fermes, on verra plus tard. Donc ce coup-ci, je vais pas me faire avoir, je vais y aller extrêmement progressivement. Je vais faire des cités qui sont évolutives. Ok, ça déjà. On va faire notre population dans ces environs-là. Qu'est-ce que j'entends par évolutive? Eh bien, ça va être très simple. Réservoir. Réservoir, fontaine. Je veux dire que je pose le minimum. Pour commencer, et puis en fait je vais créer au fur et à mesure. Ce qu'il faut. Juste le grenier. Qu'on va mettre. Ça m'embête de le mettre près de la population. Donc. Là, c'est une zone fertile. Tant pis. On va le mettre là. Toujours pareil, une préfecture, une étude d'ingénierie. Et on va juste mettre un marché. Pour le moment, c'est tout ce que l'on va faire et on va déjà mettre en accéléré, voir ce que ça donne. On va juste mettre l'ordre des priorités.
qui est le service des eaux en premier, puis la technologie, puis la préfecture. Ensuite, en 4, la production de nourriture. En 5, l'industrie. Ensuite, viennent les loisirs. Même pas. Avant vient l'hygiène et l'éducation, parce que l'hygiène est très importante. Avant les loisirs, c'est la religion, parce que sinon... voilà. Est-ce qu'il nous faut... Ouais, il nous faut du militaire, de toute façon, aussi. Ça, il va falloir qu'on... Ah oui, on est en province dangereuse. Donc, il nous faut... Non, il nous faut une population très, très évoluée, très, très vite. Donc, finalement, changement de stratégie. On va directement mettre tout ce qu'il faut. On va faire tout ce qu'il faut pour que cette population soit le plus heureux le plus vite possible. Forme utile. On va mettre une terme. Une école de théâtre ici. Et PPP. Qu'est-ce qu'il nous manque? Il nous manque. Bah, le théâtre. On va même carrément mettre un amphithéâtre ici. Et je vais déjà commencer à refaire une deuxième zone de population. On va essayer d'optimiser la place, hein, évidemment. Les fontaines. Jardin, les plazas. On va remettre notre marché. Préfecture, voilà. Bon. Donc déjà, ça, c'est bien avancé. J'espère que c'est pas la partie que je pense. C'est la partie que je pense. Ah, l'arnaque. Hein? Non, tu déconnes là. Alors je vous explique, on peut pas créer d'armes, on est obligé de les importer. Ce qui coûte évidemment une blinde. On peut revendre du vin par contre et on peut... Ouais mais le vin pareil, faut importer le raisin. Ils sont marrants, je peux pas faire de raisin. Bon lui là, lui on pourra en faire certainement. Bah non, on peut pas faire d'huile non plus. On peut vendre du marbre. Ah, ben voilà. Bon. Oui, faut peut-être ouvrir déjà les routes de commerce. Donc, ce qu'on va faire, c'est simple. On va vendre du marbre. Donc, c'est surtout... Ouais, c'est ça. On va lui vendre du marbre. Et puis, de l'autre côté, eh ben, on achètera des armes. Et donc, évidemment, pour ça, il nous faut un dock. C'est-à-dire que je dois créer de la population par là-bas.
Oh le merdier, le merdier, le merdier. Bon. Donc on va recréer une zone de population ici de toute façon. Ouais, on va la créer là. J'y crois pas quoi. On peut pas créer d'armes. C'est violent quand même. J'adore ce jeu de sadique. Je le cache pas, j'adore ce jeu de sadique. En gros, dans les deux missions qu'il nous proposait, soit on te propose de te faire raser par les barbares, soit on te propose de te faire griller sous le soleil. C'est ça en gros. Ah, je crois qu'il y en avait un qui nous achetait du meuble aussi. Bon, on va laisser cette zone là pour le meuble. Bon, donc ok, ensuite un entrepôt. Alors les entrepôts, va falloir que je réfléchisse sur les entrepôts. Déjà on va modifier la gueule de la route. Alors que je dise pas de bêtises, donc on va tout de suite se faire, c'est l'entrepôt qui ne va ne faire qu'accepter le marbre pour pouvoir le vendre. Et celui qui va aller chercher les armes. Ok. Donc, ok, je suis sûr que ça c'est bon. Carte de l'Empire. Alors, il y en a un qui nous achète du meuble là ? Non, lui il nous en achète. Non, donc le meuble ça s'importe, mais on peut en faire nous-mêmes apparemment. Ok. Mais comment on peut... Je comprends pas. Ils nous proposent de leur vendre des trucs, mais on les a pas. C'est ça qui est bizarre. Je pensais qu'on pouvait faire... Oh non, j'y crois pas. C'est pas du marbre qu'on peut faire, c'est de l'argile. Il y en a un qui nous... C'est impossible, c'est impossible, c'est impossible. Attendez, ellipse, une seconde. Ok, donc, excusez-moi, nous nous retrouvons, je relance mon chrono. Voilà, donc, changement de tactique, changement de tactique. Non, c'est ça, c'est les meubles, alors c'est les meubles et la poterie apparemment que je peux exporter. C'est ça, bon. Hop. Et ben on va faire ça. Bon. Et le marbre. Que de l'import. Ça on importe, c'est même pas la question. Ça.
peut exporter les légumes, mais j'en fais pas. On va en faire des légumes. Parce que je suis sûr que César risque de nous en demander finalement. Bon, on voit tout ce que tout ça donne. Attendez, je regarde. Oui, bah oui, mais il va falloir déjà que je fasse mes industries. Bon. Donc par là, et on va se faire de l'argile. Ici, j'ai même pas fini la zone. Avec Mars, tiens. Hop. Mars, les impôts. Le théâtre. Il y aura également l'éducation, on y reviendra après. Ici, c'est couvert. Ça suffira pour le marché. Les ateliers de poterie. On va faire par là. Finalement, toi, on va inverser, on va faire tout ce qui importe en premier, de toute façon on n'importera qu'une seule chose. Et toi, donc tu vas accepter les poteries. Ok, et un autre entrepôt où tu accepteras. Où tu accepteras avec les meubles. Ici. En tant que zone tampon, on va créer. C'est embête de le créer là, mais bon, on va faire avec. Donc ici, ça sera l'argile que tu acceptes. Voilà, comme ça l'argile se stocke ici et puis distribue nos usines. La population a déjà commencé à s'installer. On va quand même continuer un petit peu en ralenti, juste pour voir. Normalement ici ils sont couverts pas en lieu de culte. La terme, ça m'étonnerait qu'elle les distribue tous. L'amphithéâtre, je pense qu'il n'y a pas de problème. Ah oui, il y a ça aussi. Hop, 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 et
Là, je pense que... Je pense que ça devrait le faire. Alors... Forum, je pense qu'il couvre pour tous. Ici, ici un forum. Et qu'est-ce qui manque? Et qu'on va faire Il manque l'essentiel, évidemment. Qu'on va faire derrière? Où est-ce qu'apparaissent les barbares? On ne créera certainement rien dans cette zone-là, donc on va mettre tout mettre en sortie d'huile. Donc fort de légionnaire. Vous savez quoi? 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va créer les 6 tout de suite, comme ça sera fait. Et vu que je n'ai plus de toute façon d'argent... On va voir ce que ça donne tout ça. Ça sent citoyen. Ok. Bon, alors j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. C'est que ça a l'air de tenir, mais... Ah oui, d'accord. On va voir si ça remonte. Mille citoyens. Bon. Oui, ça y est. Ouf. Bon. Mes sous... Réaugmente. Faut juste que je... la vitesse. Bon. Ouh, ouh, la poterie, pas de problème, c'est ça. Oh putain, ça. Enfoiré de sa maman. Bon.
Non, c'est bon, on commence à avoir du chômage, alors et je comprends pas pourquoi eux, ça tourne pas, quoi. Oh le doc, oh le doc. Ok, dans le militaire on a ce qu'il faut. Est-ce qu'on a commencé à avoir nos premiers hommes? Pas encore. Nous faut le bois. Alors j'avais dit qu'on le ferait là-bas, mais finalement on va le faire ici. En face de la terre en plus. Bon. Attendez, 1700, 2000. Ok, sur ça on est positif, mais les importations coûtent trop cher comparé aux exports. Pour le moment, on va arrêter d'importer. Et il faut déjà qu'on se fasse les ateliers de meubles. On va tout de suite, c'est avant de faire la bêtise. Oups. C'est sortir un aqueduc de là. De toute façon, est-ce qu'on puisse exporter de l'eau quelque part? Et puis, on va se refaire une zone de population un peu plus loin. Option, vitesse, 90%, 200%. Oh, je dis n'importe quoi en plus. Bon, j'espère que le son est bon ce coup-ci. On a une minute de la fin, je termine juste cette partie. J'ai triché, hein. J'étais à moins 17 en argent, donc évidemment César s'apprête à gueuler, hein. Donc évidemment, voilà. Bon. Une bonne et une mauvaise nouvelle. Comme toujours. J'ai peur. Putain, c'était bien une invasion barbare.
crois pas. Bon bah c'est fini. Ah, c'est ma cité. J'y crois pas, putain. Bah oui, cassez-vous. Allez-y, faites-vous plaisir. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez plus rien à raser? Ouais, bah t'es marrant. Ah oh putain. Ah Et voilà comment je finis. Elle est impossible cette map. Comment tu veux te créer une armée avec de l'import sachant que ça te coûte une blinde? Les armes ça coûte une blinde. Oh putain, allez je rage quitte, y'en a marre. Désolé, donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, abonnez-vous si vous le désirez. Écoutez, j'ai envie d'arrêter cette série. Sérieusement, les dernières missions là ont commencé sérieusement à m'énerver. Et plutôt que continuer à m'énerver, je vais arrêter. Parce que de toute façon, voilà, ça m'énerve et je prends plus plaisir à jouer à ce jeu. Donc vous me comprendrez, j'arrête. J'en ai marre. Ben donc sur ce, ben merci d'avoir suivi cette série et puis ben je vous dis à bientôt.